Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Je suis allée chez Action ce matin et j'ai retrouvé des choses qui viennent de sortir. Donc je voulais partager ça avec vous et quelques petites choses de Amazon. Donc je vais commencer par Action. Je me suis pris pour compléter ma collection. Les nouveaux, alors c'est les brushes, hein, c'est pour ça que je les ai pris, parce que les biseaux, j'en ai plein. Et là, je me suis dit, je vais compléter ma collection de feutres à alcool brushes. Donc, vous voyez, ils sont par 3. Ils sont à 99 centimes. Donc là, vous avez les tons de jaune et vert. Il y a, en tout, il y en a 8. Enfin, moi, j'en ai trouvé 8, je ne sais pas s'il y en a plus. Dans les tons mauve-violet. Dans les tons roses. J'espère que vous voyez bien. Dans les tons marron, marron rosé, je dirais même, parce qu'il y en a un. Oui. Ensuite, marron orangé. Les bleus et verts, enfin bleu-vert, hein, on va dire. Marron et gris-marron, il y en a un qui est comme ça. Et pareil, dans les gris, dark. Alors, denim, il trouve de ses noms. Enfin, voilà. Donc, vous avez la pointe fine et la pointe brush. Donc, voilà. Je les voulais pour compléter ma collection. Donc, 99 centimes le lot de 3. Ensuite, j'ai trouvé ce petit bloc floral. Il est trop beau. En foil. Donc, je vais vous le montrer. Il commence à tourner, il me semble, en ce moment. Donc vous avez toujours une feuille normale, une feuille foil. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas grave, c'est tombé. Ce sont des petits points. Attendez. Je vais voir si j'enlève la lumière ou si je la mets. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Enrayé. Je le trouve très beau en foil. Je vous l'approche si vous voyez ici. Voilà. Des petits pois d'autres couleurs. Des petits cœurs. Voilà, des petits cœurs en foil. Encore des petits pois. Celui-là, j'aime beaucoup. Avec les feuilles, il est très beau. Des petites fleurs. Des petites fleurs en foil. On a déjà eu un peu ce style-là. Peut-être pas la même couleur. Ah, vous voyez un défaut là. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, c'est pas dramatique, mais bon. Oui, je ne sais pas si vous allez le voir, le défaut. Il y a une ligne à ce niveau-là. Celui-ci, très bon, avec du foil. Il y en avait d'autres, mais voilà, j'en ai assez comme ça et j'ai pas pris les autres nouveautés, quoi. Celui-là, j'adore. Encore des petits pois. Cartes qui sont très belles avec du foil, et voilà. Donc je sais qu'il y en a qui veulent le code barre, donc je vais vous le donner. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Non, voilà. Donc voilà, c'est le seul que j'ai pris au niveau des blocs. Ensuite, j'ai trouvé les dies. Alors j'ai pris la petite voiture. La luminosité, c'est pas top, hein. On va essayer comme ça. J'ai pris la petite camionnette. Petite, bah, la camionnette.
camion de glace. Voilà. Les petits cœurs. L'alphabet. Pardon, l'alphabet. Ok, juste là. Les chiffres. Et l'œuf. Alors, vous allez voir, là, dans pas longtemps, je vais vous faire un tuto shaker et je vous montrerai une petite astuce et la déco qu'on peut mettre au fond que j'ai trouvé grâce à Nathalie Scrap. Donc, voilà pour les dies. Ensuite, j'ai pris les design paper de luxe. Ça, je les ai trouvés super beaux. Alors, je vais les montrer, mais ils ont déjà tourné. Hein. Je vais faire comme ça, ça sera mieux. Hop. Il me semble qu'il y a trois. Alors, il y a du foil aussi. Je me dis des fois pour les matages sur les albums, des cartes, hein, pour un peu de tout. Normalement, j'en achète pas ceux-là, mais je les ai trouvés super jolis, donc du coup, je les ai pris. Ils sont à 1,39 si je ne me trompe pas. Moi, j'en ai pris 4. Il me semble qu'il y en a 4. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ah, celui-là, je le trouve super beau. Hop, regardez ça. Hop. Regardez comment ça brille. Celui-ci, c'est mon préféré, en fait. Donc, il me semble qu'il y en a 3 normales et une en foil. Hop. Je regrette pas. Je devais pas sortir à la base. Puis j'ai dit, allez, je vais faire un petit tour. Et voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Les petits chats sont trop beaux. En ce moment, je suis sur l'album de Dominique de la chaîne de André Demer. Je suis en train de faire le. Alors, c'est quoi le nom de son album en boîte? Ça fait une boîte. C'est le Only You, il me semble. Alors, c'est long. J'ai du boulot dessus. Il n'est pas encore terminé. Je vous le montrerai quand il sera terminé. Mais allez voir sa chaîne. Hein. Franchement, elle est superbe. Je pense que vous la connaissez. Donc, voilà. Et celui-ci aussi, il est joli. Avec les paillettes. Hop. Les trois normales et le foil. J'aime bien celui-ci. J'aime beaucoup la bouteille de parfum comme ça, avec les paillettes. Voilà. Ensuite, un son pour action, c'est terminé. Mon fils, il m'avait offert une carte Amazon. J'avais attendu pour Noël. Et je voulais attendre pour être sûre de ce que j'allais acheter.
Et du coup, je me suis pris les 20 Luminance. Bon, là, il y a mort parce que je suis en train de faire un coloriage. Donc, ils étaient à 69 euros, je crois, si je ne me trompe pas. Et je voulais compléter ma gamme, en fait. Donc, du coup, ça m'en fait 20 de plus. Et je suis contente. Je les aime bien, en fait, parce que ils sont pas secs, ils sont pas gras, ils sont assez poudreux. Mais alors, les dégradés qu'on peut faire avec, ils sont tip top. Moi, perso, je les adore. Donc voilà, les 20 Luminance. Et pour finir, je me suis repris une bombe fixative parce que j'en ai acheté une à Cultura. Donc c'est une Sennelier, mais je sais pas où je l'ai mise. Donc comme ça, du coup, j'en ai recommandé une sur Amazon. Et elle est superbe. Celle-là, franchement, elle est bien. Donc voilà, c'est tout pour ce petit haul. À venir, donc je vais faire là dans la journée si je peux ou demain la collection complète de mes coloriages. Et ensuite, je ferai alors une vidéo. Je ne pense pas que ça va suffire. Je vais faire deux vidéos, je pense, voire trois, sur tout mon matériel de coloriage. Donc aussi bien feutre aquarellable, feutre alcool, crayon de couleur, tout ce qui est fond. Enfin voilà. Je vous fais ça au plus vite. En attendant, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, partager ma chaîne. Et bah, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.